Horoscope quotidien du Sagittaire aujourd'hui 14 février 2023. Horoscope quotidien. Bonne Saint-Valentin. Nous vous souhaitons des rencontres magiques, des coïncidences mystiques et un sentiment d'amour, dont vous ne pouvez que rêver le reste des jours. Vous vous sentez plutôt désorganisé et chaotique aujourd'hui. Vos pensées ont tendance à circuler dans un certain nombre de directions aujourd'hui. Le résultat est que vous ne pourrez terminer aucun projet aujourd'hui. Tu dois te concentrer. Essayez un peu d'exercice mental et ne consultez pas d'autres personnes car des conseils contradictoires auraient tendance à vous embrouiller encore plus. Planifiez des activités amusantes à faire avec votre famille et vos amis pour profiter au maximum de la journée. Avoir une vision négative est dangereux. Il y a de fortes chances que les natifs du Sagittaire réussissent bien professionnellement. La reconnaissance du public pourrait venir à votre rencontre. Vos chances d'obtenir une promotion dès maintenant sont excellentes. Certains de vos subordonnés pourront peut-être vous aider à vous laisser prendre au travail. Adoptez des routines positives et faites de votre mieux pour maintenir une attitude positive quoi qu'il arrive. Cela ferait en sorte que vous puissiez profiter des plaisirs de la vie sans vous soucier de vieillir. Adoptez des pratiques alimentaires saines et augmentez votre consommation de fruits et légumes crus. La patience et le pardon sont à l'ordre du jour pour les natifs du Sagittaire. Si vous et votre moitié avez eu un désaccord récent, aujourd'hui est le jour pour discuter du problème, faire amende honorable et passer à autre chose. Remettez votre relation sur les rails en parlant des choses et en vous pardonnant complètement. Planifiez ce que vous pouvez faire différemment ou comment vous pouvez faciliter les conversations afin de pouvoir orienter votre carrière dans la direction que vous souhaitez. Votre façon de penser et d'agir inconsciemment pourrait avoir un impact significatif sur votre vie professionnelle. Votre boussole morale peut être en train de changer. Il est possible que vos priorités dans un emploi aient changé, alors laissez ce changement de mentalité guider votre développement professionnel. Votre partenaire est la seule personne qui peut vous apporter de la joie et vous ramener au centre. La conversation que vous avez ajoutera une nouvelle dimension à votre connexion les uns avec les autres. C'est maintenant une excellente occasion d'emmener votre moitié dans une aventure dans un pays lointain. Il est possible que vous et votre âme sœur soyez d'humeur à voyager dans un endroit éloigné et à partager un moment romantique inoubliable ensemble. Sagittaire santé et bien-être. Les problèmes de santé que vous ignorez depuis un certain temps commenceront à prendre des dimensions sérieuses si vous ne consultez pas immédiatement un professionnel de la santé. Votre alimentation en particulier nécessite une attention particulière. Évitez de mettre dans votre système tout ce que vous savez ne pas être bon pour vous. Si vous souffrez d'une maladie chronique et que vous avez ignoré les directives diététiques, c'est le moment de revenir à une routine stricte. Sagittaire carrière et argent. Vous êtes susceptible de recevoir une aide considérable aujourd'hui sur le front de l'emploi. Amis, conjoints ou collègues vous aideront tous à rattraper votre retard. Assurez-vous d'exprimer votre gratitude et d'aider quelqu'un d'autre à votre tour. Les flux de trésorerie devraient s'améliorer considérablement. C'est aussi un bon moment pour planifier des achats coûteux, car même si vous gagnerez beaucoup, vous aurez du mal à économiser beaucoup d'argent. Lecture quotidienne du tarot. C'est un tournant dans votre vie. Vous devrez examiner attentivement tous les aspects de la situation et prendre une décision importante concernant votre avenir. Vous êtes bien conscient du fait que vous devez prendre un nouveau départ dans votre vie, mais vous vous sentez pessimiste et intimidé par l'avenir. Vous vous accrochez au passé et au présent, et cela vous empêche de prendre la bonne décision. Vous devrez surmonter vos insécurités et mettre un terme définitif aux situations émotionnellement épuisantes qui entravent votre croissance personnelle. Tarot de carrière quotidien. Vous êtes épuisé par vos sacrifices et vos efforts et vous sentez que vous n'en pouvez plus. Vous voulez vous libérer des contraintes qui vous sont imposées. Vous avez traversé une période au cours de laquelle vous avez été obligé de vous discipliner et de poursuivre ardemment des objectifs professionnels et financiers que vous n'avez finalement pas réussi à atteindre. Vous croyez que vous avez fait tout ce que vous pouviez et que vous avez envie de renoncer à essayer. Vous êtes sur le point de tout laisser s'effondrer. Comme le dit la chanson, « Je veux me libérer ». Cependant, vous devez être très prudent et essayer de garder votre impulsivité sous contrôle. Vous êtes à un pas de la réalisation d'un objectif que vous avez consacré beaucoup de temps et d'efforts à poursuivre. Ce serait dommage de tout laisser tomber. Sagittaire amour quotidien et relations. Les cartes montrent que vous pouvez avoir une rencontre amoureuse avec quelqu'un de charmant. Mais cela semble être une association torride et intime.
Alors libérez-vous des limites émotionnelles et profitez au maximum de la journée. Si la personne veut s'éloigner, ne soyez pas possessif, elle reviendra vers vous un jour. Laisse-le simplement réaliser ta valeur. Carte de tarot d'amour. La carte de tarot d'amour pour aujourd'hui est le pendu. Les thèmes de cette carte incluent le service, le sacrifice et l'attente. Votre relation entre dans une période d'animation suspendue, peut-être à cause de la distance géographique. Le pendu souligne la nécessité d'intégrer une perspective spirituelle désintéressée dans les relations. Entraînez-vous à voir les choses du point de vue de votre amoureux. Une blessure, une maladie ou un chômage dictent que l'un de vous doit bientôt s'occuper de l'autre. Abandonnez les faux idéaux qui vous empêchent d'accepter votre partenaire comme un être humain vulnérable et faillible. Si vous êtes célibataire, recherchez un partenaire qui se trouve dans un cadre moins matérialiste. Les cours de méditation ou le bénévolat peuvent donner plus de résultats que les applications de rencontres et les bars. Apprenez à ne pas considérer les personnes avec qui vous sortez comme des projets de relooking. Abandonnez votre anxiété à l'idée de trouver un partenaire. Modifiez votre point de vue sur les rencontres, l'amour et la romance. Qu'aujourd'hui soit un jour seulement pour vous deux. Annulez tous les rendez-vous si nécessaire et passez une journée tranquille à la maison avec votre partenaire. Après les derniers jours fatigants, vous pourriez certainement faire avec ce temps. Vous avez été émotionnellement inaccessible à vos proches fermés. Par conséquent, consacrez-leur du temps pour qu'ils se sentent désirés et aimés. Votre partenaire a toujours votre dos. Alors mettez un point d'honneur à tout leur confier. Optez pour un repas cuisiné maison plutôt que de sortir dîner. Cela renforcera l'attachement que vous avez tous les deux. Vous avez peut-être quelques secrets que vous avez gardés de votre partenaire. Ce serait le bon moment pour confier ces secrets à votre partenaire. Comme votre chance est favorable en ce moment, votre partenaire peut vous comprendre et vous pardonner très rapidement. De même, vous devez leur assurer votre amour constant, votre confiance et votre soutien. Le mariage est sur les cartes et c'est une bonne idée d'en discuter aujourd'hui. La journée jette également un mot d'avertissement. Il pourrait y avoir une attention excessive de la part des pères de votre ami. Évitez toutes les avancées indésirables. Votre partenaire vous aime beaucoup et vous fait confiance. Il est de votre devoir de préserver la confiance et de lui rendre la pareille. Par conséquent, concentrez-vous entièrement sur votre partenaire et il pourrait être conseillé de passer la journée en compagnie l'un de l'autre au lieu de traîner avec des amis. Cela pourrait aider les choses. Couleur porte-bonheur, marron. Numéro porte-bonheur, 7, 14, 39, 52, 14.